de la part de votre équipe? Est-ce que vous attendez à repartir avec une victoire à 5 points de Mont-de-Marsan? On avait un contexte favorable. Vous savez que quand vous ne gagnez pas chez vous, la semaine n'est pas simple. C'est la semaine de remise en question. Et en contrario, quand vous venez à l'extérieur, votre semaine est un peu plus... c'est normal, hein? On ne peut pas être très dur avec les joueurs quand vous venez faire un match contre Oyonnax. Après, c'est un contexte favorable. Il faut le rendre favorable aussi. Je crois qu'on avait une opportunité aujourd'hui de reprendre notre destin en main. Et les joueurs l'ont fait. Les joueurs l'ont fait. On a fait un match. Match parfait à l'extérieur, oui, match parfait à l'extérieur. On a fait un match dans l'état d'esprit, dans la solidarité, dans le rugby aussi, parce qu'en première mi-temps, on a joué les ballons qu'il fallait jouer. On était costaud en conquête. On était efficace dans la conservation des ballons. Mon Dieu, c'est l'équipe qui grattait beaucoup de ballons. Aujourd'hui, on a été capable de conserver nos ballons et ça nous a permis de maîtriser, on a maîtrisé les matchs. Ça te rassure après cette série de défaites et de voir ce contenu-là, c'est effectivement ce match vraiment maîtrisé de bout en bout? Moi je dis qu'on n'a pas de plafond, ce groupe n'a pas de plafond. On est capable, la semaine dernière il y a eu un accident de match, il y a un carton rouge, à Montauban on fait un super match, on le perd de la dernière minute. À Colombie, on avait fait un super match. Un match aller contre Mont-Dieu, on le gagne à la dernière action. La saison, le championnat, il est très dur. On n'était pas mauvais la semaine dernière, on n'est pas des champions cette semaine. Là, il faudra, comme je dis toujours, 24 heures pour savourer la victoire et 24 heures pour pleurer une défaite. Là, on a 24 heures pour savourer une victoire. Et se mettre au boulot parce qu'on reçoit un hiver et il n'y a rien d'acquis. Chaque semaine, c'est une grosse remise en question et c'est repartir avec beaucoup d'exigences. C'est ça qu'on va faire cette semaine. Où est-ce que vous estimez que vous avez gagné le match? Je crois qu'on a été capable de rivaliser dans les jeux de pression. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes dans la Pro D2 qui le maîtrisent bien. Je crois qu'il y a Oyo, il y a Mont-de-Marsan. Nous, je crois qu'on est capable de bien le faire aussi. Mais on était efficace en première mi-temps. On a eu trois occasions, trois essais. Quand vous faites un jeu de pression, c'est l'efficacité qui fait la différence. Et aujourd'hui, on était très efficace. C'est ce qui manquait un petit peu sur les derniers. Ouais, même la semaine dernière, on a à 14 contre 15, on a 4 occasions d'essais pour passer devant et on ne marquait pas. À la sortie, on finit par perdre un match qu'on avait bien commencé. Mais chaque semaine, c'est terrible. C'est beau ce championnat. C'est magnifique. Hein? Il faut la seule chose, il faut avoir beaucoup d'humilité chaque semaine. Dans la victoire, il faut avoir beaucoup d'humilité. C'est ça qu'on va vouloir préconiser cette semaine. Et bien préparer les matchs de Nevers à partir d'être exigeant. Il y a 20 ans.